Bon, bah écoutez, j'ai pas fait de story aujourd'hui parce que c'était une journée, vous connaissez, de lendemain de soirée. Hein. D'ailleurs, c'est là qu'on se dit que modération, c'est quand même vraiment quelqu'un de bien. Et que hier, j'aurais bien voulu le rencontrer, mais malheureusement, il était pas à la soirée, putain. Bref, bien sûr, l'alcool est dangereux pour la santé, donc voilà. Buvez avec modération, les amis, c'est important. J'aime pas. Là, ça va parce que, genre, en plus, à la base, je vous explique que j'avais annulé. Ah, je leur avais dit, non, pas, je vous ai pas, j'ai dit, c'est bon, laisse tomber. Parce que, comme mon père est rentré de l'hôpital, enfin, il est rentré de l'hôpital aujourd'hui, je voulais être en forme et j'avais pas envie d'être fracassée, tu sais, tu connais. Et du coup, je leur avais dit, non, mais c'est bon, finalement, on annule et tout. Et genre, je sais pas, elle avait réservé son jour, genre son 21 juin, fête de la musique, elle avait réservé. Et genre, elle attendait que ça, la sorte de grossesse et tout, elle attendait que ça qu'on se fasse une petite siesta entre amis, quoi. Et du coup, j'ai rappelé au bout d'une demi-heure, j'ai dit non, non, mais c'est bon, vas-y, on le fait quand même, on se couchera pas trop tard et tout, mais bon, voilà, c'est. Tu connais, t'es là, t'es tous ensemble, t'es dans le move et tout, donc ça a été un lendemain de soirée un peu compliqué. Heureusement qu'elle n'a pas mille dans l'été, comme ça, j'ai envie de vous dire, parce que je pourrais pas tenir le choc. Voilà. Une partie par là, c'est très bien. Voilà. Je vais du coup me mettre au lit très tôt. Je vais regarder les chroniques de Bridgerton. Et voilà. Et je voilà. Mon mari, il est parti avec mon frère, ma belle-sœur, Jamel, enfin des amis, ils sont partis. Au spectacle de Redouane au Vélodrome, je devais y aller, je vous dis la vérité, mais voilà, je voulais rester avec les enfants, je les garde, et puis quoi d'autre? Et puis ouais, j'avais un peu la flemme aussi, je vous dis la vérité, donc voilà, donc c'est pas grave, je sais que ça va être trop bien en plus, mais parce que bah, voilà, on était en famille et qu'on discutait, on a passé hier une super soirée, on était tous ensemble aussi, là il y avait mon papa, donc c'était chouette, il était trop content d'être en permission pour le week-end et tout, c'était trop cool. Et voilà, franchement, c'était vraiment chouette de voir. On a passé une belle soirée, une belle journée. Là, je vais faire une bonne nuit de sommeil. Et voilà. Tu fais quoi là, toi? Ne? Tu fais quoi là? Dors avec toi. Tu dors avec moi? Ah ouais, il est 20h, on va dormir. Trop cool. Bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce qu'il veut sentir? Sentir quoi? Eh ben, il va me mettre dans le lit, papa. Bah, il va te porter, il va te mettre dans ton lit dès qu'il rentre. Lentement. Tout doucement. Pour pas me réveiller. Pour pas te réveiller. D'accord, il dort. Mon amour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me suis tellement couchée tôt hier, genre à l'heure des poules, à 20h, je crois que je dormais. 20, ouais, que du coup, j'ai dormi 10h. J'ai dormi 10 heures, ouais. Mylène l'a dormi avec nous, donc il a dormi super longtemps lui aussi. Parce que bah, du coup, quand il est avec nous au milieu du lit, bah, il se lève pas très tôt. Donc franchement, trop bien. On a trop bien. Ah, j'ai récupéré comme jamais, là je suis en pleine forme. J'ai récupéré de ma soirée arrosée avec Paga et Giuseppa. Et voilà, c'est bon. Maintenant, je repars en forme pour quelques semaines. Je vais aller voir mon père aujourd'hui. Parce que bah, après, évidemment, il part ce soir. Je vais l'accompagner. Il repart dans sa petite maison là-bas. Voilà, mais il était trop content d'être dehors. Donc c'est cool. On a Réponse qui mange avec nous. Voilà. Une princesse, une vraie. C'est bon, Liwen? Hein? J'ai fait des pâtes à la crème et aux champignons. Non, non, non. Après, mangez-moi. Après, mangez-moi. C'est bon, Liwen? Liwen? Est-ce que c'est bon? Ah oui. Toujours en pyjama? Toujours en pyjama, oui, c'est vrai. Midi, toujours en pyjama. C'est les vacances. Et ouais, c'est les vacances toute l'année, debout à 7h du mat. Alors là, je t'explique. T'as bien dormi ce matin d'ailleurs, hein? T'as dormi avec qui? C'est quoi Et t'as bien dormi du coup? Tu dors plus longtemps quand tu dors avec nous. Est-ce que ça voudrait dire que tu dois dormir avec nous à vie? Là 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 là. Bref, voilà, c'est les vacances, on traîne à la maison nickel. Tu vois, je suis pas.